Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce. Alors, généralement, ils vont partout dans les réseaux sociaux, dans nos quotidiens, nous utilisons des emojis. Partout, Facebook, WhatsApp, message. Alors, pourquoi pas dans Excel? Quoi? Il est bien possible de le faire dans Excel et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, allons-y. Et j'ai oublié un truc. Es-tu déjà abonné? Ah, sinon, n'hésite pas à le faire pour être parmi cette communauté qui suit toutes ces astuces extraordinaires que je présente. Et n'oublie pas également un like, un petit pouce si la vidéo va te plaire. N'hésite pas également à la commenter. Donc, sans plus tarder, passons à l'astuce. Alors, tout d'abord, nous aurons besoin d'un petit outil de Windows, c'est-à-dire le clavier tactile. Alors, pour cela, on va juste dans cette barre d'état, et là, on va l'afficher. Afficher le bouton, afficher le clavier tactile. Donc, le voici. Et là, dans ce clavier tactile, là, vous avez ceci. Donc, le clavier tactile, c'est en fait ce petit clavier que nous avons dans notre téléphone avec nos emojis. Et là, nous avons une panoplie d'emojis, pareil comme dans nos smartphones. Alors, maintenant, comment les utiliser? C'est ça le but. Alors, là, et que nous voulons afficher là, si c'est une fille, on va afficher une emoticône de fille, et si c'est un garçon, on va afficher un emoticône d'homme. Donc, ça c'est le genre féminin ou masculin. Alors, cela, il va tout d'abord nous falloir insérer notre cellule. Et là, on va tout simplement utiliser nos émoticônes. Alors, déjà, on va appeler les émoticônes. Lorsque vous les incrémentez dans Excel, il y a un tout petit défaut que nous allons voir comment corriger par la suite. Là, si je mets un émoticône, là, vous allez voir. Sa couleur disparaît complètement, donc il ne s'affiche pas en couleur. Et là, nous allons voir comment résoudre ce petit problème. Voilà, c'est un petit problème. Alors, tout d'abord, passons d'abord à ceci. Là, on va dire ici, on va appliquer une autre fonction. Donc, si le vitesse logiciel est celui-ci, cela est égal. Si c'est égal féminin, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je tiens à rappeler que, comme vous avez vu, là, c'est bien un clavier. Alors, c'est un. Et c'est le concept comme un format texte. Et vous savez, dans les mettre un format texte, il faut les mettre dans nos fameux guillemets. Si on ne le fait pas, ça va s'afficher comme une erreur. Alors, si c'est une fille, qu'est-ce qu'on fait? On met une fille. Là, on va aller ici. On a les filles. Vous choisissez le type de fille. Prenons celle-ci. Là, on fait une crochet. Sinon, ne laissez pas F, ça laisse autre chose. Donc, ici. Et là, vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas mis avec les mains. C'est pour vous montrer ce qui se passe. Regardez. Là, F va afficher une erreur à cause de lui. Voilà, il faut l'afficher ici. Également. Puisque F est un texte, donc on en met également entre guillemets. Donc on va appliquer notre formule partout. Et vous allez voir qu'on pourra faire énormément de choses par la suite avec nos emojis. Donc là, tout simplement, voilà le genre. Maintenant, en ce qui concerne la couleur, là, pour une fille, on peut choisir de mettre les couleurs ici. Donc on peut mettre du vert, du rose si vous voulez. Et nos garçons, on va peut-être que les mettre en bleu. Mais là, vous allez dire, on ne va pas faire ça partout. Impossible. Par ici, il arrive que nos données changent. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'également ils changent. Donc, ça doit se faire de manière automatique. Alors, vous faites des mises en forme automatiques. Vous savez ce qu'il faut. C'est la mise en forme conditionnelle. Alors, on va faire nos nouvelles règles.
Là, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, j'ai un F, n'oubliez pas de mettre un guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le format. Là, on va juste sur la police. Alors, la police, qu'est-ce qu'on va mettre, comme on a dit? On va mettre du rose. Là, OK. On va faire également une autre mise. Alors, la police, toujours, on va mettre un bleu. Et là, OK. Là, on peut l'appliquer. Vous l'appliquez dans toutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu, dans gérer nos règles, là. La vue là s'applique uniquement à C2. Là, il faut donc, vous pouvez directement choisir la zone ou simplement sélectionner toute la ligne. Là, il faut bien évidemment ici également mettre un D1. Vous savez bien pourquoi. Si vous ne savez pas, je vous invite à regarder les astuces précédentes. Et là, on peut l'appliquer. On va faire pareil pour celui-ci. Et appliquer. Et là, OK, c'est fait. Donc, voilà, nous avons donc appliqué nos emojis. Bon, maintenant, c'est pas tout. Avec ces emojis, vous faites énormément de choses. Par exemple, nos graphiques. On peut connaître le nombre de garçons. Supposons que nous voulons compter. Et là, on peut compter. Pour compter, on a bien vu comment faire la formule NBC. NBC. La plage, c'est celle-ci. Et le critère, c'est fille. Et là, on va voir, nous avons 47 filles. Et nombre de garçons, 42. Et là, nous pouvons également faire apparaître nos emojis dans nos graphiques. Là, si on essaie un graphique, on peut choisir ce que nous voulons. On peut un graphique 3D. Là, vous voyez, nous avons là, vous voyez, là, ça affiche bien, garçon, fille et garçon, je vous dis. Et là, on peut changer tout ceci, là, dans plus. Ici, on peut mettre là, étiquette de données. Centrer et autres, ajuster. Voilà, déjà. Et là, ça nous affiche là. Nos garçons et là nos fiches, c'est les affiches pas ici. Et là on peut également faire le tableau 3 dynamique également avec eux affichés. Donc on va tout simplement voir notre emoji. Là on sélectionne notre tableau. On va quand même faire comme ça, nous sommes quand même ici dans les astuces Excel. Alors le raccourci pour sélectionner le tableau. On sélectionne une partie de notre table et on fait CTRL ALT et ça sélectionne tout. Et là, on va, vous savez comment on fait tableau croisé dynamique. Là, on va là, tableau croisé dynamique. OK, là voici, là on choisit comment afficher. Donc, je vais afficher nos emojis. Là, nos moyennes. Et aussi le rang et la mention. Et là, on peut les disposer comme on le veut. Et là, vous voyez, ça s'affiche avec nos genres autres. Alors, c'était tout pour cette astuce avec les emojis. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes les autres astuces qui viendront et pour consulter les astuces précédentes. Et également, activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à consulter les prochaines astuces. N'oubliez pas également de partager la vidéo si elle vous a plu et de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez plu ou bien si vous avez des difficultés, bien si vous avez eu une autre suggestion de vidéo que vous aimeriez qu'on fasse. Alors, je vous dis tout simplement à la prochaine, merci d'être allé jusqu'au bout.